Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour la découverte du nouveau jeu Watch Dogs Legends. Nous sommes à Londres et allons voir un petit peu ce que ça donne. La première fois que j'avais vu et testé le jeu lors de l'E3 l'année dernière, et enfin il est sorti, donc du coup bah, on va découvrir un petit peu tout ça. Nouvelle partie, on est là. On va commencer par défaut comme c'est là et on verra plus tard comment que ça se passe. Confirmé, ok, let's go. Alors moi ce que j'avais kiffé, je pense que comme beaucoup, le fait que sur Watch Dogs Legends tu peux incarner n'importe qui, n'importe quelle personne que tu vois dans le jeu, tu peux l'incarner. Et du coup on avait vu, bah, on pouvait incarner des petites grand-mères, etc. Donc forcément c'était assez fun le concept de se dire que bah, toutes les personnes qui sont, enfin tous les joueurs que tu vois, tu peux les incarner. Ubisoft, let's go. Ah Londres, quelle ville. L'histoire à chaque recoin et les touristes pour la photographier. Les pubs où coule la bière et la joie. La musique, le théâtre, les œuvres d'art. Ce mélange de cultures. Et le plus vieux métro du monde, le Tube. Le Tube. La crème des villes, l'élite des capitales. 1200 ans seulement pour sortir de terre. Et une seule nuit pour finir en miettes. Ok. C'est stylé. Apprenons un petit peu l'histoire. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est notre statue ? La sécurité du périmètre est HS, mais on a plein de copains volants. Oula, oula. Attention. C'est pas vrai. Dalton, il faut faire vite. Oui, chef. C'est bien fait, quand même, hein ? C'est bien fait. J'y suis. On sait contre quoi on se bat cette fois, Bagley. Si vous n'aviez pas filé, je l'aurais su. Avez-vous déjà songé à laisser les autorités gérer de telles menaces? Très drôle, Bagley. Le gouvernement préfère essayer de nous arrêter plutôt que de faire quelque chose d'utile. On va devoir se débrouiller tout seul. Sois prudent, Dalton. Bagley, tu détectes de l'inquiétude dans la voix de Sabine. En effet, et un ton légèrement plus aigu suggérant l'excitation, ce qui est fascinant. Bon, fermez-la et mettez-vous au boulot. Ça y est, j'y suis. Ok. Alors je pense que je vais jouer directement. Donc généralement t'as une petite phase comme ça au début, histoire juste de te mettre un petit peu en marche, le petit didacticiel. Est-ce qu'on peut le buter ou quoi? Élimination. Tiens. Oh, oh il... C'est moins agréable pour toi que pour moi. Contourner, ok. Voilà, c'est la petite phase où on va apprendre un petit peu à manipuler les jeux, quoi. Bah, j'apprends un petit peu, hein. Là, fais du coup, discret, on découvre Dalton, un petit peu. Ça nous rendra service. S'il me tire pas dessus, je leur tire pas dessus. Exactement. Ça te convient ? Mais il est bien fait, le jeu, en tout cas. Il est bien fait, hein. Ah. Maintenez X pour enjamber les grillades, machin, etc. Là, à chaque fois, il y a des petits boutons. C'est ça, le truc, c'est que tu peux juste te mettre collé au mur. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a un truc à loot, tu vois. Ah. Et là, du coup, ça va me dire où est-ce qu'il faut que j'aille pour aller pirater ça. Ah, ok. Oula. Eh, t'as un appel. C'est la mort. Eh oui. Amorcer le piège. Ok. Donc là, du coup, il va falloir... Ah. Bon, là, on est tombé vraiment avec des imbéciles, mais bon. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est... Ah oui, d'accord, je vois le délire. Ok. Donc là, normalement, il faut pirater ça. Inspection, terminal par feu, déverrouillé. Ils ont des tonnes de technologies DedSec par ici. Ouais. Tu crois qu'ils veulent en faire quoi? Quoi? Ah mais... Comment ils ont pu mettre la main dessus? Je sais pas. Mais on dirait bien que quelqu'un veut faire croire que DedSec est passé par là. Merde. Dalton, il faut que tu sois extrêmement prudent. Ah, j'ai failli y passer. Ok. Tu peux me dire qui sont ces mecs en noir? Rien d'identifiable. Je suppose que c'est fait exprès. Ouais. Bon, forcément, c'est le début de jeu, on tombe sur des mecs qui sont un peu neuneux. C'est juste histoire de... Amorcer le piège. Ah oui, attends, je vais pas me faire avoir. C'est juste... Ah oui, je l'avais... Ouvrir. Ok. Je l'avais déjà fait. C'est juste histoire d'apprendre un petit peu à maîtriser les jeux, à contrôler les commandes, etc. quoi. C'est bourré d'explosifs par ici. Ouais. C'est pas vrai, ces trucs... Bagley, est-ce que... Nitrogène RDX, de quoi raser tout le parlement. Tu peux localiser un détonateur, Bagley?
Pas tout à fait. Mais il y a un appareil qui diffuse une tétrachier de données chiffrées à l'étage juste au-dessus de vous. Ça fera l'affaire. Je vais voir. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle de la patate. Alors du coup, faut que j'aille où, là ? Analyser. Téléchargement. Bagley, c'est pas le détonateur, ça ? Non, mais c'est un transmetteur qui communique avec un dispositif à l'étage du dessus. Très probablement le détonateur que nous cherchons. Ok. Parce que là, du coup, ça, je peux le prendre aussi, non ? Là. Non. Oula. Ok. Oh, petite variante. Ils ont plaqué de la propagande d'EdSec tout autour des bombes. Ces connards veulent faire sauter le Parlement en se faisant passer pour nous. Pas si on réussit à atteindre le détonateur. Exactement. Ah, on l'ouvre à l'ancienne, on peut pas l'ouvrir avec le téléphone. Ah, mais c'est vachement archaïque, ça. Comment qu'on fait ? Et voilà ! C'est un petit peu un James Bond, lui, non ? Fait penser un peu, tu vois, on est à Londres, costard et tout. C'est un peu le James Bond, quoi. Le James Bond de Watch Dogs. Ah, tu fais attention derrière, t'as les cheveux qui rebiquent un peu. Pile dans la chambre des communes. Ça. Je sais pas qui sont ces hommes en noir, mais ils ont du culot pour installer ça au milieu du gouvernement. Désactiver le détonateur. Amorcer le piège. J'amorce le piège. Ok. Et là, ça va être ça le détonateur ? Interagir ? J'imagine. Oula. Désactivons le détonateur. J'ai trouvé le détonateur. Il faut le désactiver ! Il est bien activé. Mais non, mais il faut le désactiver ! Il va falloir m'aider. Évidemment, mais malheureusement, je suis bloqué. Merde. Ah, merde. On n'a aucune chance de s'en tirer sans Bagley. J'ai peut-être une idée. Ah. On s'est entraîné au piratage manuel au service secret. Tu m'étonneras toujours. Sacré lui, allez, tiens. Dépêche-toi. Allez, Bagley, à toi de jouer. Connecté. Et les bombes viennent tout juste de s'amorcer. Ça risque de compliquer les choses. Ah. Non, mais c'est pas vrai. Tu peux les désamorcer ? Évidemment, mais je risque d'activer une sécurité et vous finirez en petits morceaux, je vous préviens. Attends-toi à ce que ça attire l'attention de ton côté, Dalton. Ok. Ça tombe bien. Ils arrivent. La compagnie à l'arrière. Merde. Dalton, ça commence à chauffer au QG. Combien de temps ça va prendre, Bagley ? Cela dépend du nombre de fois que vous allez m'interrompre. Ok, tout le monde. On met les masques, on sort les armes. Let's go ! Ça va devenir tendu. Let's go pour le combat, mon pote. Merde. Oh yeah. Ah bah voilà, des petites armes. Moi aussi, je veux des armes. Mets ton masque. Tu veux pas que quelqu'un te reconnaisse ? J'ai essayé de les retenir. Ok. Showtime. Et nous, on a une arme maintenant. Bagley ? Dis-moi que tu y es prêt. Oh ! Oh, le M-Bot ! Oh, le Wallach, le M-Bot ! Ça avance, Bagley. Disons que je suis à la fois impressionné et exaspéré par le degré de sophistication de leur système anti-intrusion. J'avance. Ah ouais. J'en ai marre de jouer. Comment je fais pour recharger ? Ah bah voilà, on fait triangle, je crois. Ah, y a quand même un petit M-Bot, hein. Ah ouais, regarde, tu vises, hop là. Ça M-lock en fait. Tu sais ce que ça fait maintenant sur Call of, c'est ça? On récupère les munitions. Voilà, c'est juste vraiment histoire d'apprendre à contrôler le jeu, quoi. Vraiment, c'est... On se doute bien qu'on va faire la mission assez facilement. Qui c'est lui? Ou elle? Est-ce qu'elle avait une famille? Ah, je suis hors de portée, merde. Ah! Reste là. On fait... Voilà.
Dalton, problème. J'ai jamais douté qu'on allait réussir la mission. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah c'est plus que les dalles à viser, là. C'est un M-Lock, mon pote. M-Bot, M-Lock. Je ne me fous de personne. Retirez le fil. Mais... quel fil? Le bleu ou... si jamais ce truc explose... Bombe désamorcée. Oh, le suspense insoutenable. Magli, espèce de salaud. J'ai failli faire une crise cardiaque. Doucement les gros mots, s'il te plaît. Hein. Je fais attention aux gros mots sur la chaîne, donc s'il te plaît. Oh merde, attends, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi tout ce que je vois là? Il semblerait que le Parlement ne soit pas la seule cible. D'autres bombes viennent d'être activées. Affiche-moi ça, Dams. Bordel, on doit tous les avertir. Il faut évacuer tous les bâtiments. Il y en a partout dans le... on n'aura jamais le temps. Ma sœur est à la conférence de la TOA. Ah non, pas ta sœur! On doit faire quelque chose. Ah bah oui, forcément, s'il n'y avait pas ta sœur, on s'en battrait les couilles, non? Ah mais c'est les mecs! Je pourrais tout arrêter. Oups! Sabine! Sabine? Merde! Sabine! Vite sur le toit! Ah, ok. Sabine! Sacrée Sabine! Allez, let's go! Sabine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Sabine? Parle-moi! C'est un vrai bain de sang. Le protocole exige qu'on efface tout, y compris Bagley. Ah merde. Mais j'ai besoin de lui pour l'émetteur. Bah ouais. Je sais. Mais s'ils mettent la main dessus, ils auront accès à tout. Et... nom, lieu, opération. Mec, je suis avec... oh putain de merde! Oh ok. Lève-toi! Oh le wallack, mec! C'est vrai? Tu m'avais pas remarqué. Ah, ils sont plus résistants eux. Hein. Lui ça va être le boss lui. Normalement si tu tues le boss c'est bon. Putain, j'aurais dû mettre un silencieux monolithique. Hein. Tu sens que la portée elle est pas ouf. Hein. Normalement il reste un gus là non? C'est bon? Ok. On avance. Amorcer le piège. Ah bah alors, ça sert à rien là. Ils sont tous morts. On voit la porte. Nous sommes sur le toit. Est-ce qu'il y a un hélico qui peut venir me rescuer? Secondes. Bingo. Non, il y a un truc qui va se passer, ça peut pas bien se passer. C'était un piège! Non, 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 non. Bien joué, Dalton Wolf. Très impressionnant. Il savait que c'était moi! Mais qui es-tu? Je viens de poser la question. Oh, vous pensez être encore là pour sauver l'ombre. Malheureusement, on s'est peut-être perdu. Non, vous êtes ici pour nous aider lors d'une mission capitale. Quelle mission? Tuer des milliers de... Oula. Exactement. Sauver le monde. Les Londoniens sont familiers des tragédies. La peste, le grand incendie, le Blitz, peu réjouissant. Mais la destruction est toujours le remède. Zero Day débute. Maintenant. Comment as-tu osé? Ah bah il... et il y avait la sœur de l'autre. C'est l'heure d'un rituel complet. C'est un drame. Oh mon dieu. Ils l'ont tué. Ah j'aurais pas, pas attendu à ça. Watch Dogs Legion. Bon, c'était la petite introduction, histoire d'avoir un petit peu aussi tu dans l'histoire, à apprendre un petit peu à contrôler le jeu. C'est sympa en tout cas. Londonien. Les autorités demandent aux habitants de rester chez eux tant que la situation n'est pas stabilisée. Nous n'avons pas pour l'heure de bilan officiel, mais... de nombreux Londoniens
sur les trois sites touchés par ces attaques, en soutien aux familles des victimes, dans un élan de grande solidarité. Toute la ville n'a dorénavant qu'un seul objectif. Le Premier ministre a confié à Nigel Cass, PDG de la société militaire privée Albion, la sécurisation de Londres. Cass a promis une traque sans merci contre DedSec. Le groupe terroriste fait une démonstration de force. Albion a déployé un système ultra sophistiqué d'intelligence artificielle et de drones autonomes pour capturer les derniers membres de DedSec. Un avertissement à tous les insurgés potentiels. La société anglaise affiche des bénéfices records grâce à une efficacité accrue en production et en distribution. Et cela grâce aux technologies développées initialement à des fins sécuritaires. Et le taux de criminalité est en chute libre. Paris illégaux, trafic de drogue et prostitution sont en berne suite au procès des responsables des quatre principaux syndicats du crime. Il sera bientôt possible de se promener dans les rues de Camden et de Bristol. Grâce à la prolongation sine die du mandat d'Albion par le gouvernement, la vie reprend enfin son cours normal. Couvre-feu et restrictions de déplacement sont dorénavant levées via le déploiement. Les émeutes de Trafalgar Square ont été grandement exagérées. Certainement par des fake news propagées sur les réseaux sociaux par des étrangers. Albion tient les quelques perturbateurs. En gros, c'est la merde. Conspirationnistes des sombres recoins d'Internet, prétendant que l'organisation DedSec est accusée à tort pour les attentats, sont fermement récusés. Nos reporters n'ont quant à eux trouvé aucun londonien prêt à appuyer ces théories devant les caméras. Les faits ne laissent absolument aucun doute. C'est la merde. J'ai besoin de réunir une équipe. Je peux pas rebooter DedSec toute seule. Ah bah non. Allez, piratons le site iOS de Londres pour voir qui est disponible. Donc là, le but, ça va être de former une équipe, j'imagine, non? Alors, fichier audio, entrée disque dur, zoom attiré. Qu'est-ce qu'on a là? Ici Claire Waters, et cette semaine dans les flibustiers, nous parlons de DedSec. Maintenez L1 pour utiliser... ...soupçonné de terrorisme. Un certain Colin nous appelle. Contrôler. Colin, ah, ok. T'en penses quoi? Moi, depuis des années, j'ai arrêté DedSec pour les mettre en prison. Ben, maintenant, je pense qu'on devrait plutôt les fusiller. Mais ta gueule, t'y connais rien, toi. C'est facile de les désigner comme coupables sans même avoir une... Bah, bien sûr, Colin. Mais regarde la TOAN, regarde notre ville. Il te faut quoi de plus comme... Hé, regarde ton blaze. Eh bien, Colin, je pense qu'il... T'as même nom qu'un poisson, s'il te plaît. Albion a envoyé plus de civils à l'hôpital au cours de ces derniers mois que DedSec depuis sa création. Ça sent le coup monté. Bah, bien sûr. J'ai maintenant Emily en ligne. Emily, quel est ton avis? Claire, t'as tout à fait raison. Bien sûr. Le gouvernement fait porter le chapeau à DedSec pour faire semblant de maîtriser la situation. À tous les coups, ils ont aucune piste sur ceux qui ont commis les attentats, mais... Exactement. Naturellement, ça passe mal. Ça me paraît le coupable idéal, mais bien sûr. C'est un caillou dans leurs chaussures. C'est les coupables parfaits. Angie, à ton tour. Ouh. Que penses-tu de tout ça? À mon avis, DedSec a enfin montré son vrai visage. C'est terrifiant d'imaginer que des gens aussi dangereux étaient là, tout près, pendant toutes ces années. On avait des terroristes parmi nous. Du coup, DedSec te fait plus peur que les gangs londoniens, comme le clan Kelly, par exemple. Le clan Kelly, à la limite, il brûle ton magasin. Ou alors il te tue. Mais jamais il tenterait de faire sauter le Parlement. Ensuite, nous parlons au roi de la... Ouais, limite, il te tue, c'est rien. Oh, hé, les gars, c'est que dalle. On va pas les aider à nous retrouver, en plus. Vous avez vu ce qu'ils sont capables de faire, maintenant? Jusqu'où ils peuvent aller? Comment ça, ils? Le gouvernement? Est-ce que tu veux dire que le gouvernement est responsable des attentats? Mais bien sûr. Mais le gouvernement, il a pas travaillé tout seul. Ils sont... Allez, piratage activé, mon pote. Les... On l'a piraté, le système. Search for contacts. Ok. Ah, ah ouais, d'accord. Voilà enfin quelqu'un. Qui c'est, ça? Tu es donc le dernier espoir de DedSec. Ah bah c'est moi. Ouh, je vais créer mon personnage. Qui c'est que je vais créer, là? On prend... Alors attends, ah oui, d'accord, attends, ils ont des trucs, là. Elle est danseuse, contrebandier, barmaid, a donné 5 étoiles au pub Earl's Fortune en ligne. Ouais, on s'en fout un peu, non? Ah, elle a une MP5, elle. Ah, babysitter avec une MP5. Eh bah, dit-on. Copinage. Libère rapide des coéquipiers. Ah, multi-entrepreneur. J'aime bien son style, à lui, hein.
Vas-y, on va le prendre lui. C'est lui, le dernier espoir de Deadsec. Nous voici dans la ville. Putain la vache, stylé mec. Ah, c'est bien fait, hein. Contente de te voir en vie. Si tu veux toujours soutenir la cause, Deadsec a besoin de toi. Putain, il est stylé, hein, vrai. Je t'envoie les coordonnées de notre dernière planque. Donc on peut prendre des bagnoles et tout. D'accord. Tu vois. Oh yeah. Wouh. C'est GTA, baby. Wouhou. Merde, il y a la police. Attends, c'est pas moi. Vos documents sont-ils en ordre? Allez, casse-toi. Votre visa est-il valide? Ok, je... Ah, tu me lâches une voiture! Bing! Je la conduis, mon pote. Allez, donne-moi des étoiles. Pardon. Excusez-moi. C'est quoi la mission du jeu, en fait? Ah, qu'est-ce qu'on a, là? Attention! Ok. Il va falloir que je fasse profil bas là. Merde! Mais on est à Londres, on roule à gauche! Ah! Désolé! Sorry! Désolé! Sorry! Ok. Ok. Ouh. Allez, on va essayer d'esquiver. Mais putain, qu'est-ce que tu fous là? Ah! Ah, désolé! Je m'excuse. Ça marche? Je peux m'excuser? Non, mais je m'excuse. Bon, je me laisse pas le choix, hein. Voilà. Comment je fais? Ok, je mets le pilotage automatique. Ouh. On est bien, là. Ah ouais? Allez, échappe la police, s'il te plaît. Ah bah voilà. Et bah voilà, parfait. Merci beaucoup. Ouais, attention, regarde. Oh, oh. Ouais, je l'ai vu qui t'a bousculé, hein. S'il lui met une pa... Tu vas où, là? Ah! Elle est où, la planque, là? Vas-y, on va aller à la planque. Pardon, madame. Excusez-moi, je sais pas conduire. Excusez-moi, je débute sur le jeu. Je suis à... Ah! Pardon. Comment on se barre? Ah, mais ouais, du coup, je me disais... C'est pareil. Moi, quand je voulais conduire, j'allais là. Mais non, mais on est à Londres, c'est de l'autre côté qu'on se met. Ah, ok. Bah ouais, forcément. Ouais, c'est là. Ok, c'est la plan. J'ai téléchargé un patch sur ton optique pour que tu aies accès à notre système de sécurité. Il est conçu pour que je puisse pas faire entrer quelqu'un d'extérieur à Deadsec. Ok. Tu devras faire la manip toi-même. Parfait. Je vais convaincre le système avec mon charisme. Et voilà, je saute dans le terrier du lapin. Ok, nous y sommes. Alimenter la planque. Mais j'ai pas à manger, moi. Hey oh, y a quelqu'un? Ah. Je devrais probablement rétablir le courant. Ah bah oui, on peut pas lui prendre ça. Alimentation auxiliaire. Que le courant soit... Le courant fut... Empreinte Deadsec introuvable. Déclinez votre identité ou je condamne les issues, je pirate votre optique et je lis à haute voix tous les emails que vous avez envoyés à vos ex. Hey, oh, on se calme. C'est Sabine qui m'envoie. Sabine est vivante? Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Je suis Bagley, l'IA ultra avancée et pas du tout volée, dont le rôle est d'assister Deadsec, et je constate pas du tout volée en service pendant plusieurs mois. Bref, si vous me connectiez au réseau Deadsec, que je devienne puissant au-delà de votre imagination, pardon, que je rattrape ce que j'ai manqué. Ok, comment qu'on fait ça alors? Les serveurs de... Activer les serveurs de Bagley. Ah bah c'est là où alors. Ok. Ah, voilà, je suis reconnecté au réseau, je télécharge notre base de données, les actus archives et... Pardon, je t'ai interrompu. Ah, là on a les divers missions, etc. Non, attends. Le groupe terroriste Deadsec responsable des attentats mortels à Londres. Dalton Wolf est mort, il suffit que je vous laisse une minute et vous fichez tout en l'air. Alors, si Deadsec n'est pas responsable pour les attentats, la question c'est... Qui? Il y a un trou dans ma mémoire après que Dalton... Soyons honnêtes, après que j'ai désamorcé la bombe au Parlement. Je manque d'infos sur ce qu'il s'est passé après ma désactivation, mais d'après ce que je peux en déduire, un groupe de hackers inconnus répondant au nom mystérieux de Zero Day était de la partie. Je pense que Zero Day a organisé les attaques et fait porter le chapeau à Deadsec. Ok. Venez à mon terminal. Sabine veut passer un appel vidéo. D'accord. Sabine?
Sabine ! Oh, pas mal d'écran. Sabine Brandt est connectée. Je vous suggère fortement de l'écouter attentivement. Te voilà, je suis trop contente de te voir. Bagley, bon sang que ça fait du bien d'entendre ta petite voix. Ta mémoire est intacte? Loin de là. Le dernier enregistrement est l'assaut de notre QG. Et comme seule piste, un groupe appelé Zero Day. Ça vous dit quelque chose? Non. Mais le QG a été attaqué par des hommes en noir. Les mêmes que ceux du Parlement. Ils bossent peut-être ensemble. On n'avait aucune chance. Ils ont tiré sur tout le monde. C'est absolument dingue. Comment t'as réussi à t'en sortir? J'ai réussi à fuir par les égouts jusqu'à Camden. Un contact m'a fait sortir de la ville, et depuis, je me planque dans le nord. Sage décision. Votre profil est indiqué comme cible prioritaire dans le système de surveillance de la ville. Même une reconnaissance partielle vous mettrait en danger. La ville veut la peau de DedSec, on dirait. J'aimerais t'aider, mais je risquerais ma vie. Et moi, je l'aime bien, ma vie. Écoute, si quelqu'un s'y connaît en risque, c'est bien moi. J'ai perdu tout ce que j'ai, et tout le monde. Mais voilà la situation. Londres est dans une spirale de mort. Et si DedSec ne sauve pas la ville, crois-moi, personne ne peut. Londres a besoin d'une résistance. Et elle commence avec toi. Ok. Je suis partant, tu m'as convaincu. On devrait probablement s'y mettre, alors. Excellent. Nouvel utilisateur enregistré. Bienvenue chez DedSec. Donc c'est là qu'on recrute un peu des gens, ou quoi? Bien. Ce serait irresponsable de notre part de vous relâcher cul nu dans la nature sauvage. Bah ouais. Vous trouverez dans la planque quelques équipes... Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Points de tech. Vous pouvez trouver des points de tech à Londres, utilisez-les pour acheter des améliorations technologiques. Gadgets et armes. Vous pouvez acheter des technologies dans le menu tech pour obtenir et améliorer des gadgets, des armes et des piratages. Équiper une technologie pour changer l'arme ou le gadget en agent. Utilisez la fonction modifier dans le menu d'équipe. La technologie que vous avez achetée sont disponibles pour tous les agents. Ok. Bon, indispensable à votre panoplie de DedSec. Donc là, acheter un nouveau gadget dans le menu tech. Donc là, on va quoi dans le... Menu données. C'est ça, DedSec. Ah, podcast de Claire Weller. Ah, d'accord, faut acheter un gadget. Ouh, on peut acheter des armes et tout. Ah, mais attends, mais j'ai que 10... Ah ouais, d'accord, faut que j'achète un truc de merde, quoi. Enfin, un truc de merde. Lara Knobot d'infiltration, capable de réaliser des éliminations non létales. C'est tout... Ah, ça, c'est sur les armes et sur les piratages. Bah, vas-y, hein. On va l'acheter, l'objet. Ah, d'accord, après, on peut améliorer un peu, ouais. Ok, ok. C'est bon. Votre agent d'un équipez votre agent d'un nouveau gadget dans le menu équipe. Ok. Équipe. Modifier. Gadget. Équiper. C'est bon. Pour vous préserver des systèmes de reconnaissance faciale, nous avons une solution high-tech. Cela s'appelle un masque. Et tant que nous y sommes, pourquoi ne pas rafraîchir votre garde-robe? Je veux dire, regardez-vous sérieusement. J'aime bien sa petite voix. Ok. Oh! Ouais, mais attends, mais il faut des sous. J'ai pas de sous, moi. Ah, du coup, on va prendre un masque. Oh, ils sont stylés, en vrai. Allô? Je peux le prendre, celui-là? Et là, magasin, le haut. Ah, je peux changer le t-shirt. Ok. On peut changer... Oh, stylé! Oh non, j'ai pas assez de sous. Un petit sac à dos, ouais, on s'en fout. Il y avait des chaussures. Ouais, ouais, ouais. Chapeau. Ah ouais, mais du coup, j'ai un masque. Ouais, ça fait un peu con, là, non? Petite lunette de soleil, ok. Et le visage. Ah ouais, dis donc. Ça fait penser à quelque chose, ça. On a ce masque-là, et puis le reste... On va laisser comme ça. Ils sont très bien, tes nouveaux jouets. Mais c'est important de connaître les bases, aussi. Tu dois apprendre à mettre des claques, et aussi à en encaisser. Yes! Avec des coups de base. Frappe-moi, sois pas timide. Tiens. Tiens, qu'est-ce que t'en penses de ça? Hein? Tu dois essayer de déjouer ma garde. Allez, trouve le point faible. Appuyez sur triangle pour faire brise-garde. Ça, j'aurais pas fait mieux. Tiens. C'est ça, continue. Ah, t'aimes ça, hein? Hein? Continue, fous-moi plein la gueule. Allez, on utilise ses jambes. Il faut créer de la distance. Comme ça? C'est ça, continue. Et là? Ouais, tu tiens le truc. Et là, comme ça, là? Tiens. Là, c'est bon, là? Ça va, là?
Attends. Ah oui, 2 sur 3. Ok, c'est bon. D'accord, je croyais qu'il y avait un truc, j'avais pas vu en haut à gauche, avec écrit 2 sur 3. Je croyais qu'il y avait un truc spécial où il fallait appuyer sur carré au même moment où M. WOUP! Allez! Tiens! Merci pour les cours de boxe. Aïe. Allez, sans rancune. Voilà, c'est bon. C'est vu, équipe? Ah, j'ai des agents qui sont avec moi maintenant. Putain, ils sont stylés. Et lui, il a une AK. Oh. Ah, attends, faut que j'aille dans le garde-robe, en fait. Je suis con. Mais oui, ben bah voilà. Exactement. Faut que j'aille dans le garde-robe. J'étais dans le magasin, en fait, c'est pour ça. Ah, trop classe. Oh, lourd. Oh. Non. Vous avez votre barda? Vous avez compris comment ne pas vous faire boxer le nez ou vous faire abattre lors d'une fusillade? Parfait. J'ai réfléchi à comment nous pourrions trouver Zero Day et leur pourrir leur journée, n'est-ce pas? Mais j'ai besoin de quelqu'un avec de vraies jambes pour faire ce travail. J'espère que vous êtes d'attaque. On a un peu de service après-vente à faire. On va se le faire bien, on va se le faire bien. De groupuscules sanguinaires. C'était tentant, hein, néanmoins. Mais n'oublie pas que tu représentes DeadSec maintenant. Ok. Alors, j'ai des agents, en fait. Je sais pas, parce que... En fait, comme c'est Ubisoft qui m'a filé les jeux, j'imagine qu'il y avait des trucs qui étaient inclus dedans. C'est comme une édition spéciale ou quoi. De toute façon, là, le but, c'est de quitter la planque. Bon, vas-y, on va quitter la planque. Et on verra bien. Oula. Tu sens le gars relou qui a picolé. J'ai une question. Par où on commence? Te fais pas d'illusions. Tiens, Londres est sous occupation. Ça t'apprendra à picoler, toi, enfoiré. Dans nos rues, soi-disant pour protéger la population. S'il vous plaît, hein. Surtout pour faire régner la peur. Non. Ok. Je veux pas d'embrouille. Albion peut pratiquement tout se permettre. Donc, on doit raviver la flamme de la résistance chez les habitants de Londres en leur montrant. Mais Albion, c'est pas la solution. Police. Police. Nous aurons besoin d'informations. Je vous envoie les coordonnées de deux lieux sur votre optique. Merci, Bagley. J'ai identifié deux opportunités. Non, mais c'est lui qui m'a attaqué, vous êtes témoin. Entravez la propagande. Aidez-moi. Rappelez à petit 2, si on veut leur mettre des bâtons dans la rue, on a besoin d'infos sur leur... Attends, ça arrive. Ça va? Avance. Je suis chaud bouillant comme la braise, tu peux compter sur moi. Excellent. Attends. Il est grand temps de rameuter le peuple de Londres. Chapitre DeadSec commencé. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui me veulent du mal, là. T'es deux bitches, j'ai entendu. Allez! Attention! C'est pas moi! Alors, il y a quand même un mec qui m'a traité de tête de bite! Ah, enculé! Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Parasiter, propagande d'Albion. Salut! Vous êtes bien assis? Ouais! Bah non, je suis dans la voiture. Ah! Pour donner un coup de pied dans le cadavre. Je suis désolé. Ok. Ah, zone interdite. Les zones interdites sont dangereuses. Et elles sont interdites, j'imagine, en plus. Elles sont indiquées sur la minimap. Ok, j'ai compris. Albion a établi une base d'opération à la Cour royale de justice. Qu'est-ce que tu fais, toi? Charmant. Alors, les gens d'Albion peuvent détenir qui ils veulent, et vu leur influence dans les tribunaux, on oublie l'idée d'un procès équitable. Ouais, c'est honteux. Mais ça veut aussi dire qu'on peut sûrement y trouver comment Albion traque les dissidents. Tiens. Qui et pourquoi? Si on veut contrecarrer leur plan, il nous faut ces infos. Yippee! T-bag. T-bag. Oh merde, non. Mais non, mon robot, c'est à moi. Oh les salauds. Allez, on se sépare, faut le retrouver. Allez, tâchez d'ouvrir. Tiens. Bon, j'étais morte. Ouh, attends, il y a un coffre là.
vais chercher par là. Prépare-toi. Je suis prêt, et toi? Ok. Cour royale de justice. Je peux récupérer son arme ou pas? On peut même pas récupérer son arme, merde. Non, faut que j'aille là-haut. Hein. Quoi? Wow, doucement les gars, moi je suis avec vous. Hein. Oh putain! Ah mon dieu, non! Wow! Ah ok. Alors là, il faut que je. Pirate. Ah, physique. Déverrouillé. Donc normalement c'est bon. Hein. Ok. C'est bon, le courant est rétabli. Je peux y aller. Et maintenant, je peux ouvrir la porte. Let's go. Interagir. Défi réussi. Collecte de preuves. Maintenant, il faut parasiter la propagande d'Albion. Et c'est loin ça? Bon, moi j'ai gagné de la thune, c'est bien. Une liste de profils désignés par Albion comme étant des cibles prioritaires et autres menaces contre l'ordre public. C'est Rolls Royce. Ok. Let's go. Ah, pardon. Excusez-moi. J'ai... Oui, bah je suis pas... Eh, hey, bougez de là, là. Oh, les gars, là. Ouh, merde. Allez, hors de ma vue. Au nom de Sien. Ah, chais. Plusieurs individus suspects potentiels ont été signalés près de... Eh, j'ai rien fait, moi. On engage si nécessaire. Eh, c'est pas moi, c'est pas moi. Non. Merde. Mais what, j'ai rien fait, moi. Je suis innocent. Saute. Ah. Impossible pendant une poursuite. Ah, ok. Bah arrête la poursuite, non. Non. Je suis caché. Ça a marché ou pas? Ah. Eh, ta gueule. Allez, tiens, allez, bouffe là un peu là. Bouffe, t'es mort. Oh merde. Ok. Comment je fais pour Mais en plus, moi j'ai rien fait. Moi j'ai juste distrait un peu à un moment donné. Négatif. Aucun signe de la cible. À vous. Aucun signe de la cible. Ça va, on est safe. Garde, on tombe sur des images d'Albion. C'est impossible d'y échapper. Il y aura beaucoup moins d'Albion après notre passage. Alors toi, attention. Bien sûr, aucun problème. Oh l'enculé. Oh, mec, t'as vu comment il m'a attaqué par derrière, l'enfoiré. Eh mais, tu vas finir par prendre tes patates, toi. Tiens, voilà. Oh l'enfoiré, comment il m'a attaqué par derrière. Oh merde, je suis en double... Ok. Oh bah. Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant, les ploucs, là? Regarde. Je vais essayer de lui rentrer dedans, tiens. Tiens. On va voir sans qui tu vas rentrer, toi. Il m'a traité de pauvre con en plus, hein. Tiens, on va voir qui c'est le con, là. Bye bye, loser. Bye bye. Voilà. Peut-être, c'est bon. Ça va peut-être passer, là. Bouge-toi. Ça va passer. Yes, c'est passé. Ouh. C'est ça, il me fallait une voiture plus rapide. En fait, du coup, tu vois que la barre de progression qui diminue, faut que t'attendes qu'elle arrive au fond. Donc, comment... Il y aura beaucoup moins d'Albion partout après notre passage. Il est temps de laver Camden de toutes ses horreurs. Ok. Bien sûr, aucun problème. Donc là, flux piratable. Ah, il faut que j'aille à l'autre alors. Vas-y. Vous n'avez rien à craindre. On peut monter dedans? Ok. Oh. Oula! Ah oui, d'accord, mais c'est... C'est Assassin's Creed aussi, non? Il y a un peu de tout, là. Attention, toute entrée illégale. Ah, ok. Pas tant que ça, alors.
Remplacer la propagande dans le milieu. Ouais, mais ça, j'ai compris. Mais là, faut... Ah, voilà. Ok. Interagir. Normalement, c'est good. Oh, ah, ah, ah. DedSec is back. Donc du coup toute la ville va savoir que DedSec est de retour quoi. J'ai envie de voir si je saute là, je meurs. Yes, bien joué. Ça va attirer l'attention des habitants. Ils sauront qu'on est là pour tenir tête à Albion. Exact. Et ça leur donnera peut-être envie de faire pareil. Au minimum, ça ne gâchera plus le paysage. Et maintenant ? Mission accomplie. Coup de clarion. Ok. Bon, bah écoute, on va rencontrer l'informateur de DedSec. C'est parti. C'est bon ? C'est bon. Il paraît que tu as besoin d'aide. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est vous le groupe qui s'attaque à Albion ? J'arrive pas à y croire. Je me sentais un peu tout seul jusque-là. Bon, moi, je ponds juste des articles, mais vous, là, vas-y, c'est de la dissidence totale. C'est notre rôle. C'est normal. Si on ne se bat pas, Albion va accumuler de plus en plus de pouvoir. Et ce n'est pas ce qu'on veut, n'est-ce pas ? Allez, je t'écoute. J'ai failli me faire choper pour trouver ça. Les données opérationnelles d'Albion pour toute la ville. Trajet de convoi, cible à surveiller, infrastructure, tout est là. Vous saurez sûrement quoi en faire. Je suis aux anges. Tiens, juste un exemple. Albion a fermé la gare de King's Cross au public, tu vois ? Mais ce que les gens ils savent pas, c'est que ça leur sert de centre logistique. Matériel, troupes, etc. Il y a des tonnes de trucs qui transitent là-bas. Vous voulez booster la population bien comme il faut ? Attaquez cet endroit. Mettez-le hors circuit, et comme ça tu portes un gros coup aux opérations d'Albion à Camden, et partout ailleurs. On sait ce qu'il nous reste à faire, alors. Ok, 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 ok. Du coup, il faut atteindre la gare de King Cross. Let's go. Les plans opérationnels d'Albion, c'est exactement ce qu'il nous faut. Il va falloir qu'on étudie ça de près. Bah écoute... Alors, comment on fait pour mettre tout King's Cross en mode offline ? Albion a installé un énorme... Bah non mais mec, attends, mais tu... Il est en train de parler l'autre, laisse-le ! Pas être facile d'accéder à ce générateur. Ah. Ils ont renforcé les protections depuis la dernière fois que je l'ai vu. Quelqu'un a des suggestions ? Mes drones journalistes sont toujours là-dedans. Ils vont encore marcher ? Tu pourras en prendre un ? Tu le piloteras peut-être même mieux que moi. Ok. Ah. Ok. Ok. Bien. Créer une surtension dans un générateur hybride, ce n'est pas comme de beurrer une crêpe. Il nous faudra des instructions précises. Oh, il m'a donné envie de manger une crêpe maintenant, bah bravo. Qu'est-ce qu'on a là ? Regarde un peu ça. Fuck, ça a l'air hyper compliqué. Mais mon petit drone a une bonne caméra. Bagley, ça tire une photo ? Oui, tout à fait. D'après ce que je vois, il y a un code dérogatoire qui nous permettra d'accéder au système du générateur. C'est bon, j'ai la photo ? Télécharger le code de détonation. Ok. En tout cas, j'aime bien parce que souvent quand tu commences un jeu comme ça que tu connais pas, c'est toujours un petit peu compliqué de s'y mettre et tout. Et là, je trouve que c'est super intuitif, donc c'est quand même plaisant. On y est ou pas ? On y arrive ? 100%. Voilà. Utilisez le code sur le générateur et je pourrai provoquer une surtension. Ça devrait suffire à mettre King's Cross hors service. Et tous les chemins de fer aussi. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Boom. Bombe UM activée. DedSec is back, baby! Allez, il prend son petit selfie tranquille. Hashtag DedSec. Nous a fourni des tonnes d'informations, une vraie mine d'or. Convoi d'Albion, indique, matériel, tout ce que vous voulez. C'est ce qu'il nous faut pour embraser le peuple de Londres. Comme on a fait à Camden. Faire capoter les opérations d'Albion. Oh, c'est grand quand même, non? Quartier par quartier. Plus on fera ça, plus on ralliera des partisans à notre cause. On va montrer aux Londoniens que DedSec est là pour eux. D'accord. Donc là, c'était juste Camden. Oh.
Pas mal. On peut dire que c'était une belle impro. Je savais que Deadsec était pas comme le dit Albion. Et vous l'avez prouvé à tout Camden. Merci. Merci beaucoup. Maintenant que t'as montré à ce quartier ce que fait Deadsec, pas mal de gens vont vouloir rejoindre le mouvement. Des gens qui cherchent un moyen de lutter. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui va bientôt te contacter à ce sujet. Il va te perdre son enthousiasme, j'en suis sûr. Nous serons ravis de l'accueillir. Il va falloir être nombreux pour rendre à Londres toute sa liberté. Exact. Ok, donc là... Eh ben on a fait une bonne petite mission, mon pote. Récompense, rébellion de Borough. Borough, révolté. Borough, Borough. On dit Borough alors, on nous dit... Oh, maintenir pour changer. J'ai hâte de voir ce que tu sais faire. Vraiment, je suis très curieux. Merci. Je suis fier de devenir le nouveau bras armé de la justice. Magnifique. Bienvenue, mon pote. C'est ça qui est bon. Donc là, du coup, je contrôle lui, quoi. Oh, lourd. Ça, c'est bon, en vrai. Eh bien, je n'en reviens pas que vous soyez toujours en vie. J'avais parié le contraire avec Sabine. Donc, vos magouilles de la résistance nous ouvrent une toute nouvelle source d'informations. Je viens de mettre la main, au sens figuré, bien sûr, sur une pépite. Alors, attends, vue équipe. Alors, recrue potentielle affichée. Recrue en cours, voir la mission. Ah, d'accord. Donc, du coup, si je veux recruter des gens... Recruter Markay McKillop, bijoutière. D'accord, donc... En fait, si je veux recruter quelqu'un... Rejoindre... On va faire un test, Ministère des Affaires Citoyennes. C'est intéressant. Donc là... T'as trouvé quoi ? Parler, on va voir comment faire pour recruter. T'as l'air plutôt futé. Ça se voit que t'as compris ce qui se passe vraiment. Oh, vous êtes de Deadsec ? Fantastique ! J'ai justement besoin de votre aide. On est là pour ça. Qu'est-ce qui se passe ? Mon ami s'est fait enlever par Albion. Je ne le reverrai plus jamais. Il est sans papier. Tirer les gens de situations délicates, c'est un peu notre spécialité. Même si tu réussis à le sauver cette fois, qu'est-ce qui se passera quand Albion se ramènera ? Ou qu'il devra passer un point de contrôle ? Il nous faut un passeport. Des faux papiers assez convaincants pour tromper Albion. Comme ceux du clan Kelly. Ok. On va s'en charger. Merci. Aide-moi. Et je te revaudrai ça. Ok. Donc là, mission recrutement, commencer. La mission, voler le véhicule chargé de passeport, sauver son ami. Oh mec, c'est loin. Oh là là. Bon bah écoute. Dis-moi toi, tu me servirais pas de voiture ? On va commencer par la première mission. Donc là, ce sont des missions en fait qui font pas partie des missions principales du jeu. C'est simplement des missions annexes pour recruter des gens. Je le fais juste pour faire un petit test du coup, pour voir un peu comment que ça se passe. Comment que je vais faire pour rentrer là? À la limite, peut-être que je peux prendre ça, non? Je sais pas, ça va fonctionner. Oh, ça marche. Ça marche. Ah. J'attends la petite araignée. On va voir si je peux le faire. Parce que ça se trouve, faut le faire en physique. Voilà. Merde, il a filé. Ok. Ok, c'est pas comme ça. Parce que là, attends, j'ai... La porte était ouverte. Oh, waouh, 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 waouh. Waouh, waouh. Attends. Mate. Kevin Young, I'm sorry, bro. You're dead. Je peux le refaire. Donc là... Voilà, c'est ce véhicule. Ah bah... Ok. Attention. Attention. Ah, attends. Ah bah écoute, J'ai le véhicule. On va désactiver la musique. Je suis en train de scanner les passeports. Ok, bon bah écoute, j'ai bien fait de mourir finalement. Mais t'es con ou quoi? Tu fonces sur le véhicule, imbécile. Pour moi, la ressemblance n'est pas... Si t'es mort, c'est ta faute, hein. C'est ton cerveau qui t'a lâché. Pas moi qui t'ai écrasé. Vous vous débarrassez du véhicule. Bien joué, Bugs. Bien joué.
Donc du coup, c'est bon. Bah, ok. Bon, bah, ça se fait plus facilement que... En fait, fallait mourir pour vivre, je crois. 2500... Elle est grande, la ville, quand même. Oh, l'enculé ! Eh, hey, c'est eux qui m'ont foncé dedans, là ! Non, c'est pas juste ! Y a rien de nécessaire, mon pote. Moi, j'ai juste volé des passeports, j'y suis pour rien du reste. Voilà. Ah, mais c'est eux qui me font dedans. Allez, rentrez chez vous, les gars. Bon, mon camion est tant bien que mal encore en vie. Je ne sais pas pour combien de temps. Mais on fait au mieux. 300 mètres. On y est presque, on y est presque. T'as à dire que tout à l'heure, j'étais à côté, quoi. Coucou, sortez du véhicule. C'est bon. Bien, maintenant que nous avons le faux passeport, vous pouvez l'esprit tranquille sauver ce sans-papier. T'as rien vu, t'as rien vu, t'as rien vu. Du coup... Hop eh oh, t'as une voiture de merde, toi. Oh, là, là. Bon, bah écoute. Hein. On est loin ou pas, là? Ah bah non, on est à côté. Ah bah super. Super. Il est où le sans-papier, là? Voilà où l'ami sans-papier de notre candidat est retenu prisonnier. Hmm. Entendu. On va faire le nécessaire, t'inquiète pas. Est-ce que... par là, non? Par où on rentre? Oh, 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 et... surveille ton langage, un peu. Oula! Il est retenu par Albion! Ok, on y va. Ouais. Je vous envoie l'adresse pour un 1033. Allez vérifier. Eh, hey, y'a un intrus, les gars, y'a un intrus! Rien. Sans doute un dysfonctionnement. Je poursuis mes recherches. Il est là, faites-le sortir. Drone, activation de la séquence de recherche. Merde. Il veut pas sortir, lui? Mais c'est quoi leur point d'accès électronique là? Du coup, je comprends pas. J'avais pas vu sur le truc. Ouais, je suis là, et alors, attends, je suis en train de télécharger un truc là. Bye. Qu'est-ce que je fous là? Ah, écoute ça, mon pote, c'est ta life, hein, c'est pas la mienne. Hein. Central, j'ai besoin de renfort. Oula! Faites-le sortir de là. Il y a eu du truc là. T'inquiète pas. Avec moi tu vivras. Oula. Par où je suis passé déjà? Allez, viens. Sierra 4, 2 et 6. Viens! Une alarme a été... Ça fait la merde! La zone. Inspectez la zone. Drone, lance la recherche. Ok. Come on, come on, come on. Allez, suis-moi. Ah, le con, non mais... Hé hey. Mais viens, dépêche-toi un peu! Allez! Allez! Oh, il est pas fut-fut, hein. Allez! Allez! Tu peux le faire? Oh, le con. Qu'est-ce que je suis supposé faire? Eh merde. C'est bon, il a sauté. Alléluia. Son cerveau s'est remis en marche. Come on. Come on. Mais viens. Mais viens. Ah, tu m'étonnes. Ah. Mais il revient. Mais il va où, ce con? Et si j'en crois leur conversation, la torture semble être le prix à payer pour avoir volé leur passeport. Bordel.
Oui, bien dit. Vous savez, je commence à apprécier... Ah mais attends, j'ai la mission accomplie là. Et si vous ne mourrez pas dans les prochaines minutes, j'espère que... Ah non. Oh mon dieu. C'est bon. Mission accomplie. C'est tout à fait le contraire de ce que j'avais voulu notre candidate. Tant pis. Non ! Mission... Non, arrête ! Quoi ? Faire pas... De dette sec est un engagement de tous les instants. Alors j'ai pensé à un moyen d'améliorer un peu l'ordinaire qui en plus colle avec notre mission. Beaucoup de gens sont prêts à payer cher pour qu'il n'arrive rien à leurs marchandises délicates. Certains sont même prêts à vous payer pour faire la livraison. Ah ah ! Oh, attends, ça va être horrible à conduire ça. C'est juste pour l'expérience sociale. Non, ouais ! Oh shit! Ouh! Nous arrivons dans une zone où peut-être les détecteurs laser avertissent les gardes de votre présence. Désactivez-les temporairement en piratant l'alimentation. Ah. Ok. J'y suis. En théorie, une reconstitution en RA devrait me permettre de rejouer les événements passés à partir de multiples données de surveillance. Accéder à un relais de données que je prélève toutes les métadonnées de la zone. Je ne veux pas ça dans mon historique. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas intérêt à ce que je te croise. C'est fini pour toi. Vous avez entendu? Je vais t'aider. Espèce de brute. Je crois que j'y suis arrivé, non? Oula! Aïe! Hé! Hey, vous êtes vraiment des bâtards. Dans le dos, quoi. Oula, oula, oula. Oh, merde! Hey, mon personnage, il prend cher, lui. C'est à vous, allons-y. Quand t'es prêt, je suis prêt. Allez, quand t'es prêt, je suis prêt. On y va. C'est parti. Hey, il prend cher, lui. Oh, l'enfoiré. Ok, normalement, c'est bon, je... Toi, t'es... Ok. C'est bon. On y est. Piratage activé. Voilà, maintenant, voyons comment fonctionne ce génial petit joujou. Lancer le test de reconstitution RA. Ah, ok. Data reconstruction in progress. C'est pratiquement comme si des fantômes numériques se baladaient dans les rues. Vous avez raison, il nous faut absolument cette géniale invention pour enquêter sur Zero Day. Mince, je n'arrive pas à cloner ce truc sur nos serveurs. Ok, accédez au réseau ici, qu'on voit à quel endroit nous pourrions en voler un. Ok. CTOS localisé. Ok, 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 ok. Ah ah. Les sœurs ont déployé cette technologie à leur QG, et je leur ai piqué le manuel d'installation du système, à leur profil bas. Vous ne pourrez pas leur voler leurs jouets s'ils vous jettent dans un goulag. Ah non, je veux pas aller au goulag, moi. Quittez la zone. Bon. Quittons la zone. Non mais merde, c'est fin. C'est bon ? C'est bon ! Bagley, mission accomplie ! Comment on peut se procurer cette technologie de reconstitution en réalité augmentée ? Le programme est hébergé par un serveur situé sur le toit du QG des Sœurs. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le récupérer, puis de le transporter dans des zones densément peuplées, que je puisse le recalibrer pour le réseau DedSec et cloner ma propre version. T'as un plan pour descendre le serveur du toit ? Rien que ça, alors ! On a quelqu'un qui a accès à un drone de chantier pour trimballer ce truc dans les airs. C'est l'occasion idéale de recruter un gros bras. Et où je peux trouver quelqu'un capable de s'occuper de cette tâche pesante, Bagley? Allez, on enfile sa casquette de réflexion intense. Qui à Londres pourrait bien avoir accès à un drone de chantier? Pourquoi pas des ouvriers sur un chantier? Oh. Effectivement, Bagley. Ce n'était pas si difficile, si?
Il y a un chantier de construction en cours pas très loin. Sans trop m'avancer, je dirais que vous devriez y trouver des ouvriers à recruter. Je vous envoie les coordonnées. D'accord, donc là, recruter un ouvrier de chantier. On va se prendre une caisse quand même. On va se prendre une caisse. Attends, excuse-moi. Mets ton clignotant quand tu tournes la prochaine fois, s'il te plaît. Je déteste les gens comme ça. Là, j'ai une voiture électrique. Hein. Ça s'entend pas. Là, on arrive au chantier. Donc là, il va avoir recruté un ouvrier de bâtiment. Ok. Juste ici, là, il y a qui, là? Maintenez L1 pour profiter sur les gens et leurs capacités. Oh, regardez-moi cette bête de drone. Enfin, cette personne a l'air compétente aussi. Donc là, je l'ajoute au recrue. Et lui? Son profil a l'air prometteur. Donc lui, je l'ajoute au recrue. Et après, je vais démarrer le recrutement. Ok. T'as l'air plutôt futé. Ça se voit que t'as compris ce qui se passe vraiment. T'es avec DeadSec? Cool. J'ai besoin d'aide pour un truc. On est là pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Ces connards du gouvernement saignent le NHS à blanc. Mais mon problème, c'est le fric que j'ai emprunté au clan Kelly pour payer des frais médicaux. Aidez-moi à régler ma dette, ou je vais être leur esclave toute ma vie. Ok. On va s'en charger. T'inquiète pas, mon pote, on va s'en charger. Et du coup, je fais sa mission. Mission recrutement commencée. Et donc là, je dois... C'est quoi la mission, là? Recruter. Si on ne fait rien, le clan Kelly va user notre nouvel ami jusqu'à la moelle. Ce chantier sert à blanchir l'argent d'une section du clan Kelly opérant à Camden Market. C'est là que doit être stockée sa dette. Entendu. Donc là, on y va. On va faire la mission, trouver l'ordinateur portable du Camden Market. Et du coup, on efface sa dette. Et puis après, normalement, il va rejoindre le DeadSec. Normalement, ça va se passer comme ça sur la recrue. On y est bientôt. On y est bientôt. On y est bientôt. Je suis déjà allé ici, là, au Camden Market, là. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, non? Oh putain, mais le clan Kelly contrôle tout le marché maintenant. Depuis quand l'organisation est aussi importante? Vous cherchez un terminal ou un genre d'appareil sur lequel le clan Kelly stocke soigneusement ses registres de dettes. Vous n'avez pas le bon outil pour travailler? Vous pouvez échanger votre gadget contre un autre plus approprié à la situation. Les drones observent les moindres faits et gestes des gens, au point qu'ils ont parfois l'impression de vivre dans une ville-prison. Mais cette mauvaise nouvelle pour les citoyens en est une bonne pour DeadSec. Vous pouvez pirater ces petits casse-pieds et les utiliser pour faire du repérage. Ok. Oula, oula! Ah, cannabis et antalgique enfin réunis grâce au miracle de la génétique. Comment on va pouvoir échapper à tout ça à l'avenir? Donc là, il faut que j'aille là-haut. Ah ouais, mais attends, mais ils sont tous contre moi, en fait. Oh, mais... Mais, eh oh, eh. Mais arrêtez. Oh, shit. Non, les gars. On peut discuter, non? On peut discuter. Oh shit. Je suis dans la merde. Ok. Bye, je vais me battre. Ok. Ouh, j'ai pris cher. Ah, ça va être compliqué, hein. Vous avez une heure de libre pour sauver le monde? Tout ce que tu veux. Ok. Bon, écoutez les amis, on va se laisser là pour la découverte de Watch Dogs Legends. C'est sympa, hein, c'est sympa. Ouais, j'aurais dû prendre mes armes. Écoutez, normalement, ce soir, je vais recevoir un petit colis. On fera l'unboxing demain, on continuera le jeu demain, mais c'est cool. Franchement, c'est fun. Et je trouve que la prise en main est vraiment bonne.
souvent dans les jeux comme ça où il y a énormément d'informations, énormément de choses, les jeux que t'as pas forcément l'habitude de jouer, t'as tendance à t'y perdre un petit peu. Je trouve que c'est super bien indiqué et finalement on s'y retrouve assez facilement. C'est sympa, c'est pas, j'ai pas forcément l'habitude d'en faire, mais du coup bah ça change un petit peu, puis ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien d'avoir un petit jeu qui change comme ça. Et du coup demain on fera la mission effacer les données utilisées à des fins chantantes pour recruter Adrian Monahan dans notre équipe. Et de toute façon, en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut recruter absolument tout le monde. Donc là, lui, c'est lui qu'on veut recruter. Ouais, alors elle, malheureusement, j'ai n'aime pas d'être sec. Hey, la connasse. Hey, tu rigoles ou quoi? T'as l'air été, quand j'avais parlé avec elle, oh, c'est dead sec, ah ouais, génial, aidez-moi et tout. Son pote, il était complètement con, il avait pas de cerveau, non mais sans blague. Donc elle, on peut annuler ou quoi? Annuler le recrutement, ouais, ouais, on annule le recrutement, elle, je veux pas d'elle. Même si elle aime bien d'être sec, je veux pas d'elle. Bon, en tout cas, c'était bien sympa cette petite session sur Watch Dogs Legends. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous savez bien que c'est tout le but, bien évidemment. Et du coup, on se retrouve demain pour continuer l'aventure.